Antoine, 25 ans, cavalier, passionné par les chevaux et créateur de Petit Trot. J'ai créé ma chaîne Udada il y a quelques années maintenant, 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus. Mais elle est pétée de sang cette jument. C'est horrible la pauvre, qu'est-ce qu'on lui a fait? Ah, il a la fourchette pourrie. Malheureusement j'ai plus eu le temps parce que YouTube c'est beaucoup de temps. Au Petit Trot, c'est une marque de vêtements spécialement imaginée pour les cavaliers, les cavalières plus particulièrement, avec des messages un peu fun, des produits éco-responsables et des couleurs un peu patchy. Moi, je voulais quelque chose de justement assez simple, un t-shirt qu'on allait porter aussi bien pour aller voir ses potes que pour aller monter à cheval. Qualité, originalité et passion. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que pour la dernière collection, mon modèle préféré va peut-être être en cavale. Ouais. Celui-ci qui existe en version pull, version t-shirt. J'ai choisi une police un peu écolière. Je dirais que ce serait 9 à 10, tout simplement parce que c'est réalisable, c'est pas infaisable. Mais en termes d'organisation, en termes d'attente, c'est aléatoire, rien n'est fixe, mais bon, ça vaut le coup de tenter l'expérience quand même. Pour l'instant, c'est exclusivement sur internet, au Jump HEC qui aura lieu le premier week-end de juin, du 3 au 5, ou du 2 au 5 juin. Donc là, on aura un petit stand avec tous nos modèles. Alors moi, je suis plutôt au Petit Trot, mais on va dire par dépit. Tout simplement parce que j'ai un cheval qui est très feignant. C'est aussi pour ça que le nom de Petit Trot m'est venu. Une paire de cloches, parce que mon cheval se marche dessus. C'est tout simplement mon cheval qui s'appelle UNESCO, qui a 9 ans, c'est français, né en Normandie. Ça dépend, c'est un peu aléatoire. La dernière séance photo qui a eu lieu, c'était assez compliqué. Le mannequin savait un peu maîtriser les bêtes sauvages, donc elle a réussi à s'en sortir quand même. Alors mon égérie s'appelle Faustine, elle vient de Biarritz, et en fait je l'ai trouvée grâce à un casting Facebook que j'avais lancé en début d'année. Et voilà, cette jeune fille a notamment participé aux élections Miss France. Elle est cavalière et actuellement en stage chez un grand cavalier qui s'appelle Andy Booth. Déjà, j'ai la chance de voir mes t-shirts sur des grandes cavalières poney, Charlotte, Sarah et Roman. Fin du printemps, début de l'été, partir en trotting avec son cheval, bronzer un petit peu et puis revenir le soir avec le nez tout rouge. Désolé, mais je suis plutôt taxi. J'ai eu pas mal de mauvaises aventures avec un ancien cheval sur lequel je me prenais beaucoup de georgettes. Donc aujourd'hui, je garde les épaules en arrière et les talons vers le bas. Je me suis pris une de ces georgettes. C'est qui elle?